Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, tout simplement, on va faire un thread sur les voisins de téléphone. Alors, qu'est-ce que c'est les voisins de téléphone? C'est super simple. Par exemple, si votre numéro de téléphone finit par 52, vous allez envoyer un message avec votre même numéro de téléphone, par exemple 07, et puis au lieu de mettre 52, vous allez mettre 53 et vous allez mettre 51. Genre, en fait, vous allez prendre celui du dessus et celui du dessous. Et là, vous allez envoyer un message numéro de téléphone, par exemple, vous allez envoyer salut, voisin de téléphone, tout ça, tout ça. Et il y a un mec qui a fait ça sur Twitter et il est tombé sur quelqu'un, honnêtement. Vous allez voir, c'est vraiment bien. Donc là, c'est la première partie. Il y aura une deuxième partie, je pense, plus tard, parce que bon, tout n'est pas sorti. Du coup, c'est parti. On se retrouve sur Twitter. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre. Le lien est en description. Let's go. Du coup, les gars, on se retrouve sur Twitter sur le compte de Christopher. Donc c'est parti. Donc déjà, on voit que le thread, dites-vous que moi, quand je l'ai vu, il avait, je crois, 2000 likes. Il est déjà à 60 000. Hein. Pour vous dire comment il est. Franchement, il est pas mal. Alors après, est-ce que c'est du fake ou pas? Ça, je mets un petit sondage en haut à droite. Perso. C'est peut-être du fake en vrai parce que c'est vraiment bien fait, bien déroulé. Après ça peut être naturel, j'en sais rien du tout. Je voulais juger. Du coup il envoie un premier message. Salut voisine ou voisin de numéro de téléphone. Oh j'adore salut voisin. Déjà une réponse, je peux vous assurer que c'est rare hein. Moi j'ai envoyé perso le désert. Alors il dit tu veux boire quelque chose? Tu me tues toi, tu as du champagne? Un merci de 2002 Christopher, enchanté. En vrai le mec déjà a pas mal la chat, on va pas se mentir. Et du coup, bah Carla, enchantée. Bonne réponse. Question suivante. Et donc là, il lui dit, bah Jay, ah, bien sûr, Jean-Pierre. Et il fait Carla. Alors, oui, Jean-Pierre. Déjà, elle joue le jeu. Genre, c'est pas une meuf qui est bête, tu vois. Oui, Jean-Pierre, elle aurait pu répondre, oui, qu'est-ce qu'il y a? Genre, donc là, franchement, ça m'a fait rire. Question 50-50. Carla, vous êtes mineur. Réponse A. Majeur. Réponse B. Pas se mentir, il demande cette question pour voilà, quoi. Hein. Voilà la réponse. Elle met, pas de réponse. Tout simplement, elle ne répond pas. Là, il se dit, putain, fait chier. Et dans son tweet, il met, je balance une pub chez Carglass. Il fait, nous aurons la réponse juste après une coupure de page publicité. À tout de suite. Du coup, en vrai, c'est bien amené, c'est bien joué et c'est pas mal. Et là, elle dit, haha, question lourde de conséquences. Je te réponds ce soir pour la peine. Ah. Ah. Et là, elle balance le petit A de Brownie Brognard. Brownie Brognard. Nouveau nom du mec. Enfin bref, en vrai il joue hyper bien le mec. On va pas se mentir, il a un humour quand même qui est pas mal du tout. Et on va pas se mentir, les meufs elles aiment bien ça quoi. Réponse B, j'ai 29 ans. Donc déjà on voit qu'elle est pas toute jeune quoi. Enfin, ça va, 29 ans, j'en ai 19 les gars. Et du coup bah, elle demande, et toi? Et là il est content parce que bon lui il a 31 ans, 2 ans de plus, c'est pas trop mal. Ah, tu me fais tellement rigoler, j'adore. J'habite sur Paris et toi? De lui s'en bat les couilles, pas de merci. Bah hop là, j'habite sur Paris, toi t'habites où? Je vais te baiser. Petite passe en profondeur, je suis infirmière à Strasbourg. Et là il fait, ah bah justement j'ai mal au dos depuis ce matin là. Bah voyons, pauvre chou. Ouais, il fait un peu le mec qui est un peu malade du coup. Allez, j'attends vos commentaires là, il dit. Et alors, c'est grave docteur, faudrait poser un diagnostic rapidement. J'ai entendu parler de massage thérapeutique à base d'huile essentielle. Et là il veut directement entrer dans le terrain. Et là il fait MDR, oui en effet il faudrait consulter un kiné. Dommage pour toi car je masse uniquement mon copain. Et là, là c'est la chute. Mais vous allez voir ce qui va se passer après. Vous êtes pas prêts. Et là il fait ça va pas. Point d'interrogation, point d'interrogation. Donc là il envoie le message à 20h33. Est-ce qu'on voit que là il a envoyé la réponse? Non, on voit pas. Du coup tu réponds plus, allô, tu boudes. Bon bref, là elle est en mode qu'est-ce qui se passe quoi. Et là je suis encore dans le camion avec les pompiers. Là j'attends. Il était encore sous le choc. Tu sais quoi? C'était une blague. J'ai pas de copain. Tu as fait tout ce cinéma pour rien. Et là, bah, ça, là il est en mec. What the fuck, mec? Second poteau de pavard, comme il dit. Second poteau pavard. Oh Benjamin Pavard. T'es trop bête, sérieux. Et là, c'est la mi-temps. Là, c'est la mi-temps. Donc, tu sais quoi? C'est une blague, on l'a vu. Alors, bon, je vais manger et m'allonger un peu. On reprend plus tard, voisin. Pas de soucis, repose-toi bien, merci. Message envoyé à 21h16. Donc là, je pense qu'elle veut carrément aller dormir. Et du coup, il lui renvoie un message 13h. Donc je sais pas quelle heure il était quasiment minuit à peu près. Et là, bon, elle doit dormir. Mais je fais ça pour vous. Merci Twitter, to be continued. Merci à vous de m'avoir soutenu. Bref, ce thread en vrai est vraiment bien. Honnêtement, je sais pas ce que vous en avez pensé. Voilà. Le mec, il gère super bien la conversation, on va pas se mentir. Il enchaîne trop bien les phrases, les images et tout. Ces images, elles sont insane. Si la vidéo vous a plu, pouce bleu. Bah, si vous voulez un deuxième épisode, les gars, si vous voulez la suite, bombardez-moi les barres des pouces bleus.
n'hésitez pas à vous abonner avant tout au compte Twitter ou à son compte Twitter. Et puis aussi à venir me suivre sur Twitch, parce qu'avant tout je suis un streamer. Et je pense que vous le voyez par rapport à la qualité et tout. Bon là il n'y a pas toutes les cams et tout, mais par exemple, petit voilà, il y a toutes les cams, il y a les fonds verts et tout. Bref, voilà, c'était Cocteau.